бочка, бочка, колбасер, колбасер, бочка, колбасер, бочка, колбасер, бочка, колбасер, голый, голый, колбасер, бочка, колбасер, бочка, колбасер, бочка, колбасер, голый, голый, колбасер, бочка, 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 baisser un peu le son. Voilà. Hop là, non, c'est bon, vous m'entendez bien. Hop. Alors, aujourd'hui, alors oui, si vous avez remarqué, j'ai pas la même cam, puisqu'aujourd'hui, ça va être du multicam, on a fait les choses bien. Aujourd'hui, un petit live Lego, complètement chill, ça va durer, allez, 3-4 heures, peut-être même plus, hein, ça se trouve, je vais y passer la nuit. Puisqu'aujourd'hui on va faire un live Lego technique de peu près 1500-2000 pièces, un vieux Lego technique hein, qui était à mon père. Du coup je change ton titre. Oui, mon titre est en train de normalement il est à jour. Normalement il est à jour. Salut Kana, comment ça va en tout cas? Bonjour, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Alors j'espère que l'overlay vous plaît hein, si vous étiez là. Je vous ai préparé un petit overlay là, truc spécial. Oui, c'est bon, GG. Et au niveau de la musique, est-ce que c'est fort ou faut que je monte? C'est surtout ça qu'il faut que je change. Par exemple, là il y a une musique qui passe, mais je sais pas si elle est assez forte. Bah tranquille, et toi? Bah ouais, pareil, on va voir. Là on se pose tranquille. Vous allez voir, on va faire un live vraiment posé. Donc pareil, hein, si vous voulez discuter, si vous avez des trucs à dire, hein, bah, je suis là. On est là pour ça. Et on va pas tarder à commencer, donc quand même, vous allez voir. J'ai préparé des petits trucs. Bah, j'entends plus. Ouais, c'est que c'est pas assez fort. De toute façon, je vais mettre une playlist spéciale, on va pas mettre ça. Pour l'instant, on va passer au vif du sujet. Alors, attention, je vous ai préparé un petit truc. Hein. Donc, c'est parti. Vous allez m'en dire des nouvelles. Hop. Voilà. Est-ce que ça c'est pas du stream Lego de professionnel? Moi je viens de taper dans la cam, j'en ai rien à foutre. Il va falloir que je me calme un petit peu avec cette cam. Voilà, normalement elle est bonne. Donc voilà, c'est pour ça que c'est moins bon au niveau qualité, c'est que la cam qui me filme est pas la caméra HD, la caméra HD est juste là. Et elle a pas mal de grains, c'est un peu dégueulasse. Mais c'est pas grave. J'espère juste qu'au niveau du focus, ça va être propre. Alors, on va commencer tout de suite. Je sors la bête. Ça c'est du monstre. Alors attendez, je pousse celle-là. Attends, je vais mettre plutôt comme ça. Voilà, là, c'est pas mal. Alors, en plus j'ai mon casque qui s'éteint comme ça. Un plaisir, mais le plaisir, le plaisir, le plaisir, le plaisir. Ok. Donc en plus ce petit Lego Technique a une histoire, et oui. Oui, ce n'est pas juste du Lego Technique, c'est tout un monde. Hop, voilà, comme ça c'est bien cadré.
Alors ouais, donc ce Lego Technique est assez vieux, hein. Je pense que je l'ai toujours connu, c'est un des premiers Lego, enfin pas un des premiers, un Lego Technique à mon père qui date d'il y a une bonne vingtaine d'années facile. Et puis voilà, je me suis dit, c'est pas la première fois que je le monte, donc je me suis dit, vas-y, ce soir j'ai envie de faire un truc, on va faire un truc calme, donc je me suis dit, vas-y, on va le monter. Donc voilà, donc vous allez voir, c'est un truc, c'est assez compliqué, c'est vraiment du bon gros Lego Technique des années 80. Il est en bon état, normalement il y a toutes les pièces, j'espère qu'il y a toutes les pièces, sinon je vais devoir courir un petit peu partout pour aller en récupérer, parce que j'ai des grosses caisses de Lego en haut. Dans mon grenier, mais ça va être galère à retrouver. Fais-le en ASMR pour le calme absolu. J'ai jamais essayé en ASMR. C'est vrai que ça pourrait être pas mal. Enfin, je sais pas si c'est vraiment bien comme truc. Alors, quand on ouvre, bah déjà vous voyez rien, c'est normal. Hein. Hop là. Quand on ouvre, on a le manuel juste là, qu'on en reviendra un petit peu après. Et donc voilà, donc c'était bien présenté. Hein. Il y avait. Bon là on voit rien puisque bah, le truc il a déjà été ouvert et que c'est plus du tout bien présenté, mais on avait chaque compartiment avec chaque truc, hein, c'est vraiment bien fait. Et j'espère, je sais pas si vous allez bien voir, j'espère que je vais le montrer sans péter la boîte. Voilà donc le truc c'est une espèce de gros monster truck, de toute façon c'est voilà, de monstre, gros monster truck à 6 roues avec une immense pince qu'il faut monter soi-même. Donc c'est vraiment un truc qualitatif. Et c'est pas pour les enfants. Hein. Et sachant que ce truc-là a plusieurs modes, c'est-à-dire que là on voit pas trop, mais en gros tu peux le faire en de différentes formes, genre un truc en tracteur, un truc. Ouais, bref, il a plein de choses et il est aussi compatible. Alors, je sais pas si vous avez. Alors là, ça c'est un truc, ça a totalement disparu. Que non, c'est pas pour les enfants, donc c'est pas pour moi. Mais non, t'inquiète. Donc ça a totalement disparu. Je sais pas si vous allez voir. Juste là. C'est un système de moteur avec un gros bloc à piles que j'ai. Normalement, je l'ai. On avait le kit. Cependant, il est moitié mort. Et puis, depuis le temps, je sais même pas où je l'ai foutu. Donc, peut-être qu'on essaiera de le mettre motorisé. Mais je ne vous promets rien du tout. Bon, alors, on va commencer tout de suite. Hein, ça serait déjà pas mal. Parce que je meuble pour rien. Mais je meuble quand même. Alors, attends, on va mettre la boîte de côté. Sans tout péter, ça serait pas mal. J'espère que je vais pas faire tomber de pièces. Oula, c'est bon. Hop là, on peut poser. Salut Momo, comment? Le speedrun de paille. Vas-y, dis combien, dis combien. Je suis sûr que tu vas me péter le cul encore. Vas-y, balance les infos. Oui, pour le speedrun de Prey, hein, parce que je suis avec un pote, on speedrun Prey tous les deux un peu en parallèle. Bon, là pour l'instant, j'ai un petit peu arrêté. J'ai un petit peu m'arrêté. Au pire appel, vas-y, parle. Vas-y, tiens, c'est pas grave. Comme ça, on va prendre les premiers appels de la soirée. On va voir si on prendra quelques appels, je pense, dans la soirée pour. Pas si on va bien t'entendre par contre. Parce que. Morganu! Putain, mon casque qui s'est encore éteint. Non. Attendez, petit bug de casque. Si, c'est éteint, ce petit bâtard. Allô? Putain, ça marche pas. Attends, je vais juste. Ah oui, d'accord, oui, il y a même. Oui, ok. J'ai un bug de son, je reviens. Je le débranche. Ça devrait régler dans quelques secondes. Voilà, c'est bon. Allô, Morganu! Putain, je t'entends pas. Pourquoi sur Discord on t'entend pas? Non? What? Vas-y, parle. Putain, sur Discord, j'entends pas ta voix. Alors que j'entends très bien la voix des autres. Quelle est cette sorcellerie? Quel est cette immondise? Bah non t'es pas en muet. Ah mais si putain t'es en muet, je suis un fils de pute. Bah attends, je nique ta mère aussi. Salut bon le gars C'est ça du. faire des lames. Bah oui je suis. Salut! Bah oui ça va et toi? On est parti Ah pour un bah. petit live tranquille chilled au Ouais, j'ai vu KLM. ça, j'ai vu ça.
Et mec, du coup, je me suis dit, bon, tiens, je vais lancer une petite speedrun de Prey. Vu que, du coup, mon explique était sur mon deuxième écran, j'ai plus de soucis, hein, parce que c'était vraiment la merde. Ouais. Et mec, genre, je commence à faire la run. Ouais. Je gagne du temps sur la 16, mais je perds du temps sur quasiment un peu touche. Je perds pas mal de temps sur string ficelle, du coup, je suis un peu dégoûté. Et mec, Ouais. le recyclage, j'ai tout one shot. Et du T'as coup, one j'ai shot mis le une grosse recyclage. tête. J'ai tout mis. Je suis à 10-38. Oh putain le fils de pute. Oh le fils Je de lance la pute. poule. Merde, je me Je suis suis à tombé seul. 10-38. Attendez, je vais vous montrer le. Je vais vous montrer au chat le. Hop. Le speedrun.com. Oh, je suis Putain, 10. Mais pourquoi tu enregistres pas tes dégoûté. putains de. Parce que la Bah ouais, mais flemme. faut le faire, mec. Mais 10-38. je commence à bien faire le recyclage, je suis content. Et au moment du saut, j'enregistre, je fais le saut et Et j'en tu fais one un. shot. Oh Et tu putain. one shot. Ah, du Et coup, là, la grosse j'ai pression, dégoûté. sa grosse daronne. Bon, bah, sinon, pour le reste, ça 10-38. va. Et du coup. 10-38, t'es 38e mondial. 38e mondial sur 52. Bon, c'est pas encore ça, mais putain, J'ai bougé moi je suis tellement. là, hein, moi je suis 50e, hein, moi je suis 50e, je suis pas du tout ouf sur ce putain de speedrun. Moi je suis 50e et j'en ai rien à branler. Putain, mais mec. Bah oui, ben de toute façon, il y a un espèce de saut là, de gagner 2 minutes. En fait, le recyclage, c'est ce que les gens arrivent pas à passer. C'est vraiment genre Oui, le et truc que surtout les gens parce qu'en arrivent fait pas à tu passes passer. de 12 à 10 en fait. Parce que Ouais. tu vas te passer de 12 à 10 et ensuite tu Putain. repasses pour 9 et 8, c'est vraiment du grattage Putain, et du mec, le mec grattage. maîtrise, le mec maîtrise. Ah Le non mais mec mec, j'étais maîtrise, là en mais mode. totalement. J'étais trop J'espère qu'il y a content. toutes les plaies sur ce Lego de merde. Ah putain, bah elles sont là les. Il est là le moteur et tout. Ah bah. Ah Le bah. mec qui regarde même pas ce qu'il y a dans la boîte. Ah, ça fait 10 ans que je l'ai pas ouvert ce truc. Alors on va save le split. Ouais, On ça a serait là. bien. Ah putain, il y a encore une pile, ça c'est dangereux. Ne laissez pas vos piles à l'intérieur des trucs. Ah putain, il marche encore. Petite technique, hein, si vous. Ah, non, bah, vous voyez pas. Yeah. Putain, je suis un fils de pute. On Alors, t'arrive. c'est peut-être un peu dégueulasse, mais petite technique, si vous voulez savoir que votre pile fonctionne, vous mettez la langue entre les deux connecteurs, là, juste là. Et c'est Et mieux si qu'une ça vraie fait des langue. petits, si ça fait des petits frissons, c'est que. Enfin, si ça picote le bout de la langue, c'est qu'elle a encore du jus. Donc, elle a l'air d'encore de fonctionner. Si tu perds ta langue, Si c'est un tu sale coup. meurs. Si tu Si meurs. tu meurs, en fait. Attends. Putain, et j'ai testé aussi Minecraft VR. Là, enfin, j'ai retesté là tout à l'heure. Et putain, mec, en fait, je me suis rendu compte que vraiment la version Windows 10, elle est un peu naze, mais elle est tellement mieux que la version non officielle. Putain, ça fonctionne. Attends. Bon, bah si ça fonctionne, je vais essayer de. On va essayer de le motoriser du coup. Je pensais pas qu'il était directement dans le. Dans le. Dans la Bon mec, ça y boîte. est, tranquille, ça stream, c'est montage de. De trucs, bah je me suis dit, vas-y, tu sais, il y a pas longtemps, il y a Squeezie qui a fait une vidéo sur les Lego, Ah sur oui. les. Sur, genre, non, pas sur les Lego, sur les putains. Pourquoi putain, il y a ça dans la boîte, c'est n'importe quoi. Sur les dominés, j'ai fait. Genre, j'ai bugué devant la Une vidéo, fois, deux. j'ai bugué, j'ai fait. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il vient de faire une vidéo de 10 minutes où il empile des Lego, et là j'étais en mode. Et du coup voilà, du coup je me suis dit bah ouais en vrai ça serait pas mal de faire des vidéos. Putain, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs mélangés. Je sens qu'il va pas avoir toutes les pièces dans ce truc hein. Genre ça c'était moi qui fabriquais des voitures avant il y a longtemps. Donc clairement il va pas avoir toutes les pièces. Ouais, clairement. Surtout qu'il y a des grosses pièces spéciales genre ça. Attends, je vais montrer plus. Faut que je prenne l'habitude de montrer plutôt à la grosse cam. Genre ça là c'est des pièces bien spéciales. Si tu les paumes t'es dans la merde. Et ouais du coup. Il y a tout ça aussi. Ça, t'as pas connu. Je sais pas si t'as connu ça. C'est des trucs spéciaux Lego et des câbles pour l'électricité. Et genre maintenant ça a été remplacé. Mais je crois que maintenant ça a été remplacé. Si, j'ai jamais vu de Genre ça. par exemple Bah, le truc à pile, moi j'ai celui-là avec deux gros boutons et tout. Et ça c'est vraiment le vieux truc à pile. Genre il est violent. Hop, j'ai pas le chat sous les yeux. Donc ça se trouve on est en train de m'insulter en allemand. Domino, ouais, c'est ça, Domino Can, t'as raison. Bref, alors putain. j'étais dégoûté parce qu'en rentrant, j'ai dit je vais rentrer, je vais pouvoir direct jouer et tout. On a passé 1 h 30 dans les bouchons avant de rentrer, j'étais trop Où dégoûté. ça? À Angers? Ouais, Angers, parce qu'il y a eu un accident et du coup ça a bouché Merde, il est tout. bouché.
Du coup, moi j'étais pas dans les. Putain, j'arrive pas à le. J'étais remettre. Pas dans les bouchons, c'est ma mère qui était en train de dans les bouchons pour venir me chercher. Ah oui, d'accord. Le bec est trop stylé. Putain, il est pas. Je pense qu'on va le. On va le retrier un petit peu, ce truc de Lego là. OMG Amissé, mais. Est mort à Angers. Ah bon, il est mort à Angers. Ah putain, putain, les pièces elles sont collées depuis le temps que c'est tellement. Depuis que c'est. C'est tellement vieux. C'est un des premiers Lego techniques que j'ai monté, hein. Et c'est pas un truc de PD, hein. Genre, oui, sans offense, hein. Mais j'en ai un autre encore pire, mais le problème c'est qu'il est pété. J'en ai un où c'est une pelle, donc une pelle de chantier, avec un système pneumatique. C'est-à-dire que t'as une pompe à côté que tu pompes, comme ça, et après tu peux y actionner des petits trucs pour faire sortir ou rentrer des vérins. Et sauf que le problème, c'est que tous les petits embouts pour mettre les tuyaux, ils sont pétés. Et du coup, ben, marche plus. Mais c'est un truc, genre, je sais pas si je peux le choper sur internet. Nickel de chantier. Je sais plus de quel. Ouais, non, ça, c'est les récentes. 1990, je vais mettre. Non, c'est encore trop jeune. Ça doit être 80 ou 60. Des vieux Lego. Si c'était pas cassé, putain. Je regarderai ça encore. Normalement, hein, c'est toujours. Ah si. Allô, oui, non, c'est bon, c'est juste mon truc qui a bugué. Désolé, j'espère que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai plus le micro. Alors, vous allez voir, de toute façon, mon casque, faut vraiment que je le change là. Je vais racheter le même, je pense. J'ai trouvé 30€ exactement le même, mais en bon état. Parce que le mien, il passe son temps à s'éteindre et à se rallumer, c'est insupportable. Bah non, c'était surtout parce que j'avais mal configuré Windows et que je suis un fils de pute. Non, une minute, bon, ok, ça va. Sinon, qu'est-ce que je voulais faire? Ok, bon, de toute façon, le live devrait bien se passer puisque le débit est à peu près bon. De toute façon, ça va durer plus. Je pense que je vais faire un gros live. Hein. On va pas se faire chier. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live. On va faire un gros live de ces morts. Genre peut-être 5-6 heures. Jusqu'à 2-3 heures. Jusqu'à 3-4 heures du matin facile. Le temps que je monte cette merde. Donc je suis pas vraiment pressé non plus. Surtout que là, j'étais un peu vénère aujourd'hui parce que. Genre j'ai fait une vidéo, genre depuis hier je fais une grosse vidéo, enfin une grosse vidéo non, une petite vidéo mais genre avec pas mal de montage et tout. Et genre j'ai tout fini les plans, j'ai tout fait et tout. Et le sang de tes morts, j'arrive pas à enregistrer les voix off. Mais alors je n'arrive pas à enregistrer les voix off. Genre j'ai eu mal à la gorge toute la matinée, enfin toute la journée là. Et genre là aujourd'hui là ça va mieux donc c'est pour ça que je fais un live. Genre après la LAN ça m'a détruit, c'était un truc de dingue. Genre les putains des M&M's, jamais, plus jamais de ma vie je bouffe des putains de M&M's genre quantité de 2,5 tonnes en 2 heures quoi. Parce que là putain ça m'a détruit, genre j'avais la langue comme si tu prenais de l'alcool, genre comme si tu prenais une grosse cuite. Et genre que ta langue elle était totalement anesthésiée, en fait non, j'avais juste bouffé de la merde. Et du coup j'avais juste mangé avec des BDFs. Et du coup bah j'en pouvais plus. Merci Bombi Chao pour le follow, ça fait plaisir. Ah et puis comme ça vous voyez ma. Putain ça fait longtemps, merci pour le follow, c'est la première fois que vous le voyez cette alerte. C'est la première fois que vous voyez cette alerte. C'est la première fois que vous voyez cette alerte. Putain merde, il est pété, j'ai le seum. Oh, j'ai le seum, il est pété. Oh non. Mon père va me tuer. Non, il s'en bat les couilles, ça fait tellement longtemps qu'il est pété. En tout cas, merci pour le follow, ça fait plaisir. Et vous allez voir, j'ai fait tellement de trucs. J'ai mis des alertes. J'ai fait des alertes pour les dons, des trucs éclatés. Genre, c'est tellement marrant. Bon, bien sûr, si quelqu'un veut faire un don, il verra l'alerte, mais. On verra ça en temps normal. Alors, je finis de trier. Bon, le moteur, je sais pas si on va l'utiliser. C'est le vieux moteur, tu vois, c'est vraiment le truc genre le moteur, pour pouvoir le connecter, tu foutais tes putains de trucs là. Hop, et tu le mettais directement dessus. Et c'était vraiment très pratique. C'est pas sécurisé, genre dès que tu mettais de l'eau, ça grillait direct, mais c'est pas mal.
Alors, on va continuer. On va expliquer. On va plutôt faire un peu le manuel là pour l'instant, histoire de voir un peu ce qui nous attend. Ce que ça donne. Ce que ça donne. Parce que toi, t'es Faucon Millenium de mon derrière. Que t'as toujours pas fini. Alors, donc, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais plutôt le mettre comme ça. Comme ça, vous allez mieux voir. Hop là. On va pas zoomer, mais. Est-ce qu'on zoome? Je sais pas si on zoome. La caméra va se casser la gueule par contre. J'ai vraiment fait un truc à l'arrache. Mais alors, moi, je m'en bats les couilles. Du coup, voilà. Donc, ce que je disais. Donc là, c'est le. Ça, c'est le truc. Le truc supplémentaire pour pouvoir les motoriser et tout. Et du coup, ce qu'on a, c'est ça. Et du coup, vous voyez, on peut. Mais il faut avoir des. Il faut avoir des. Je sais plus comment ça s'appelle, des calepins, enfin des trucs comme ça là pour pouvoir le monter différemment. Ou alors sinon tu réfléchis un peu, tu le fais toi-même. Et du coup le truc qu'on va monter aujourd'hui, on peut le faire en plusieurs fois. Ou sinon je peux regarder sur internet, c'est pas une mauvaise. En plus il y a les numéros et les références, on pourra le faire. Alors, je sais pas s'il y a un nombre de pièces et tout d'affichés. C'est pour ça que j'ai pas mis dans le titre, je vais le mettre dans le titre. Ouais mais sauf que c'est les vieux. C'est les vieux trucs. Donc moi à la toute fin j'ai juste ça. Donc bah, j'ai un peu le seum. Non, il n'y a aucune info dessus. Par contre, c'est rangé par code couleur. Oui, parce qu'en gros, c'est. Ah, bah non, mais ils sont là. Ah, bah on pourra peut-être essayer de les faire. D'accord, en fait, non, les. Je raconte de la merde. Les différentes formes sont directement. Sont directement mis à l'arrière. C'est pas mal ça. Ouais, du coup, ouais, tu vois, c'est. Hop, c'est trié jaune. Vert pour lequel. C'est pour lequel le vert? C'est pour juste la. Non, c'est pour la voiture, je sais plus. Ah c'est juste pour le... Ah oui putain c'est vrai. Ah oui parce qu'on le voit pas sur le truc. En gros ce truc, il y a un camion. Donc il y a ça. Il y a ce camion. Et tu peux, donc juste là, tu peux, c'est génial, franchement c'est génial. Je l'ai jamais fait mais c'est génial, on va le faire parce que je l'ai jamais fait. Et tu peux rajouter derrière ce camion une remorque. En gros il y a une remorque là, oui une remorque. Hop. Et genre tu peux la clipper derrière. Voilà, et genre je l'ai jamais monté par contre la remorque. J'ai vraiment fait que le camion. Donc ça va être pas mal, on va pouvoir faire ça. Et puis voilà, puis là il y a quelques infos. Je vais vraiment, genre, faut vraiment que je fasse gaffe pour éviter de le péter parce que c'est tellement vieux. Hop, et voilà, il y a quelques infos là pour mesurer les. Ah bah non, mais elle est déjà bien morte. Hein. Là je sais pas si vous voyez, mais. Alors, on voit rien à cause du truc. Et voilà, elle est déjà bien baisée, donc on fait gaffe. On fait attention. Alors, tout doucement, comme on dit. Alors, on va commencer tout de suite. Est-ce que je trie, est-ce que vous avez des conseils dans le chat? Alors, est-ce que je trie un petit peu les pièces en démontant les deux trois trucs déjà montés? Ce que je fais, c'est par couleur. Par couleur? C'est bien pratique parce que tu les repères par couleur les pièces. Ouais. Enfin, moi, ce que je fais. J'espère juste une chose, c'est qu'il est encore complet, sinon je vais avoir le seum. Bon, on va essayer de trier un peu ça vite fait. Parce que tu vois, il y a des pièces spéciales dedans. Il y a des pièces spéciales. Et du coup, il faut justement trier ces pièces spéciales. On va mettre les moteurs et tout de côté. Ça, on va virer. Je vais en montrer. Tout à côté. On met la boîte de côté avec toutes les pièces. C'est ça, c'est bon, ça, normalement, je devrais en retrouver si jamais j'en ai plus. Bon, la caméra va pas faire de focus, mais on s'en bat les couilles. Ça, j'espère aussi qu'il va en avoir assez. Normalement, on devrait pas avoir de problème. Bon, j'aurais peut-être dû le démonter en vrai avant de faire le live. Mais on s'en bat les couilles. On n'est pas sur YouTube, on n'est pas là pour faire des grosses vidéos de ses morts, on est là pour se poser tranquillement. Oula, alors ça fait pas du tout partie du truc. Ça, c'est un truc que j'ai dû rajouter. Genre, le machin, il est sobre, il est vert, il est gris, il est magnifique. Et il y a ça en plein milieu. On va essayer de je le garde de côté, on va essayer de le placer à la fin. On va mettre un truc qui n'aura rien à voir. Ça aura rien à voir. Ah oui, donc c'est à peu près déjà trié. Là, on a les pièces. Bon, celui-là qui a démonté ça, qui l'a démonté la première fois, il n'en avait rien à foutre. Donc, c'est très mal fait, mais tant pis. Et ça devait sûrement être moi d'ailleurs. Ça n'a rien fait. Hop, on va mettre les engrenages avec les engrenages. Ah oui, par contre, si je vois bien ouvrir ça, mais. Non, c'est, je sais pas, il y a peut-être des engrenages avec élastique. Et ça se trouve, j'ai plus les élastiques. Donc c'est un peu chiant. Est-ce qu'on met les roues? On les met où les roues? On va les mettre à côté de la souris. On va éviter de les faire tomber. Il en manque une. Allez.
Je viens de cliquer avec ma souris sans faire exprès, j'ai failli arrêter le live. Non, je déconne, c'est pas vrai. Je vais juste cliquer sur des menus à la con. Hop, ça c'est juste. C'est bon, ça c'est avec le moteur. Je sais pas si en vrai un live ASMR Lego ou genre tu passes ta vie à faire un truc genre comme ça. Genre un truc bien dégueu. Alors, ça il me semble que ça tourne. Oui, c'est ça, ça tourne. Il va falloir vraiment que je tende les bras par contre. Ouais, est-ce que je vous. Ouais, c'est mieux. Non, c'est plus comme ça. On va rester comme ça. C'est mieux. Je sais juste qu'elle va pas tomber au fur et à mesure du live parce que elle est très très mal accrochée. Hein, c'est abusé. Hop. Ça va se péter la gueule. Ça va clairement se péter la gueule. Non, mais je pense que. En fait, j'ai toujours envie de faire des lives, mais je sais jamais quoi faire. Du coup, je pense que je vais avoir une petite période Lego, là, on va essayer de monter des trucs, c'est sympa les Lego. Je sais que je vais pas m'en lasser, et puis, vu qu'en ce moment, j'ai pas vraiment de jeu à poncer. On va plutôt faire ça. Ah oui, bah tiens, il y a un Switch. Là, ça, c'est les Switch, c'est les trucs, en gros, c'est pour activer et désactiver les moteurs. Sauf que ça fait un truc en plus, c'est que tu peux, avec un branchement spécial, ou alors c'est juste, ça inverse juste le signal. En gros, ça permet que les moteurs ils tournent dans un sens ou dans l'autre. Et c'est pas mal. Dans un sens ou dans l'autre. Ou dans l'autre. Surtout dans l'autre. Hop. Hop, ça c'est fait. Hop, on remet un autre truc. Là, il y a des petits sièges aussi, c'est pas mal. C'est vraiment un truc complet, hein. Il y a vraiment de la qualité là-dedans. Bon, on va pas trop trier non plus, hein, pas trop grave, on va assez vite commencer le truc. Faut juste que je fasse ça quand même un peu propre de manière professionnelle. Ah oui, c'est vrai, il marche encore ce truc. Je ne crois pas. Ouais, non, ils font. Ah oui, c'est l'un des seuls trucs qui est cassé. Alors, je sais pas si vous allez voir. En gros, c'est juste un piston. Et en fait, ce piston, quand tu appuies dessus, il est censé remonter. Donc ça fait c'est juste un piston genre un peu joli et genre quand t'appuies dessus remonte. Sauf que la partie noire juste là en fait est pétée. Du coup bah quand tu fais ça le ressort rentre à l'intérieur et du coup il ressort plus. Voilà, c'est un des seuls trucs qui est pété sur ce Lego technique. Hein. C'est pas comme l'autre qui est vraiment ravagé du cul. Mais bon, j'ai trois Lego techniques qui sont assez violents. Genre j'en ai un où c'est il me semble que c'est une bagnole à la base et en gros tu peux la modeler en plein de trucs, genre un hélicoptère, un truc, voilà, c'est pas mal en vrai. C'est beaucoup de Lego technique où ça fait plusieurs trucs en un seul truc. C'est pas mal. Donc, on va mettre ça là. Hop, voilà. Bon, et puis du coup, on va foutre ça comme ça. Alors, on met les barres là. Normalement, il n'y a plus rien de monté. À part les darons. Je te dis, la prochaine fois que tu dois ranger ta chambre, c'est dans le live. Ouais. En vrai, vu tout ce que j'ai, vu tout ce qu'il y a derrière moi, il y aurait quoi faire. Non, c'est surtout la tienne qu'il faudrait ranger en vrai. Oui, déjà ça, en vrai, c'est vrai que ça peut y avoir du contenu à faire. Ah, quoique, je sais pas. Il y a de la place. Hein. Il y a de la place, c'est sûr, on pourrait faire pas mal de trucs, mais après, est-ce qu'il y a vraiment du contenu? Je ne sais pas. Ok, bon, on va mettre la boîte de côté. Ouais, ça se range assez vite. C'est vrai que ça se range assez facilement, hein. C'est pas très. C'est même pas sûr que ça soit en désordre. Hop, alors on va mettre la boîte de côté. On va mettre tous les moteurs de côté. On va foutre les conneries que je mets partout de côté. Hop, c'est bon, on va regarder. Et on va éviter de trop marcher là-dessus, parce que c'est quand même assez fragile. Ça fait mal de marcher sur des Legos. Ouais, faut mieux éviter. D'ailleurs, si vous voulez, je vais bien. Ok, je vais me faire tomber une bouteille, c'est pas grave. Je vais éviter de faire tomber le capteur Oculus qui est juste là. Non, tu rachètes le capteur, ça coûte. En vrai, maintenant ça coûte ouais, genre 20 euros. Dans cette vidéo YouTube, tu rachètes l'Oculus. J'avoue, faites des dons. Faites des dons pour racheter plusieurs Oculus. Alors,
Tu me passes ton ancien et moi je rachète juste les capteurs. Voilà. Ouais, mais tu peux pas parce que ouais, toi, il te faut. Là, en vrai, si tu voulais vraiment faire tourner l'Oculus, il faudrait que tu rachètes un peu plus de pièces un peu plus puissantes pour ton PC. Alors, il me semble, on va commencer par là. Ah, par contre, c'est chiant parce que pour vous, tout va être à l'envers. Bon, tant pis, hein. Est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles? De toute façon, pour que ce soit pas à l'envers. Ouais, je retourne la caméra, mais j'ai pas envie. Bon, de toute façon, c'est bon, hein, vous voyez à peu près le truc. Ce qui vous intéresse, c'est quand je vous montre des trucs comme ça là. Tiens, regarde, tu vois là, tu le vois là? Tu la vois bien là dans ta gueule? Alors, bref, on va arrêter les conneries. Et on va commencer tout de suite. Alors, on a une pièce. Ça n'a pas l'air d'être un truc très compliqué. Il me semble qu'il en faudra deux, donc je vais prévoir un deuxième directement. Parce qu'on est des. On est des bâtards, on est des fous en fait. Alors, putain. Il y a les tailles pour les trucs, pour les grandes tiges en plastique, il y a les tailles. Donc du coup la technique, hein, je pense que toi tu dois la connaître, la technique c'est de prendre une barre comme ça, putain je suis en train de perdre mon casque, une barre comme ça, et hop, tu la mets là, et tu comptes le nombre de petits trucs, et ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et donc là c'est une barre de 12 et là il y a marqué qu'il faut une barre de 6, donc une barre deux fois moins grande que ce truc là. Alors on va chercher une barre de 6, ça c'est une barre de 4, comme ça c'est les vraies techniques de professionnels, hein. C'est que comme barre de 6, une barre de 6, et il va me falloir un autre truc, c'est une espèce de truc noir. Donc là on rentre dans les pièces là qu'il faut surtout pas avoir perdu. Un espèce de truc noir, c'est un truc comme ça, mais avec une boule au bout. Ça, c'est une pièce spécifique encore. Faudrait mieux pas que je l'ai paumé. Ah, et ben j'en ai trouvé une. Nickel. Donc, on le met où? On le met dans le trou juste là. Putain, allez, rentre. Putain, ça commence bien. Et bon. Et sinon, on le met comme ça. Ok, voilà, on a déjà fait au moins 95% du travail. Ou voire beaucoup plus même. Après, c'est quoi? C'est où? Une petite pièce. Juste là. Alors, il faut des petits trucs comme ça. Et il faut peut-être ajouter une musique. Ça sera peut-être plus shield. Je sais pas ce que vous en pensez. On va mettre des petites musiques genre sympa. Est-ce qu'il y a des musiques spéciales Lego? Bon, je vais faire un gros sacrilège et je vais mettre ma souris dessus. Un truc chill. Allez. Un truc genre village le médiéval. Village. Pas village people. Bah non, c'est pas chill du tout ça. Je devrais garder des playlists en réserve. Oh, sinon je mets les musiques de Minecraft. Eh, est-ce que ce serait pas genre les musiques de Minecraft, ce serait pas genre les meilleures en fait? C'est celle qu'il faut. Non, 13 minutes, c'est pas assez, il faudrait une compile. Ah mais non, je suis con, moi j'ai pas mis musique, j'ai mis village médiéval Minecraft, du coup il me montre juste des trucs de village médiéval. Ah ouais, j'étais trop refait là quand j'ai découvert la... Bon, c'est que la version gratuite, pour... en plus ça coûte pas très cher, la version Oculus de Minecraft, elle coûte que 6€. Ce qui est quand même pas trop cher, hein, pour quand même maintenant que Minecraft coûte quasiment... Pourquoi Astrador qui vient de me dire you? C'est chelou ça. Alors que je n'ai pas écrit. Minecraft full soundtrack 2 heures. Je pense qu'on va la. Je vais la mettre en boucle, hein, parce que je suis pas sûr qu'on ait le temps. Alors, vous me dites, hein, si elle est trop forte ou trop basse. Là pour l'instant vous entendez rien, c'est normal. Parce que je trouve. Il y a un truc que je trouve dommage sur. Sur OBS, c'est que les trucs des décibels, c'est vraiment pas du tout précis. Genre là, je suis sûr, ma voix elle est trop basse par rapport à ce qu'elle devrait être. Du coup, j'ai trop le seum. Mais ça devrait marcher quand même. Je sais pas si vous l'entendez. Je vais mettre plus fort. Elle est vraiment toute basse pour l'instant. Là, ça devrait être bon. Ok, bon, ça fait juste un truc de fond. Au pire, je vais juste monter le son. Putain, c'est vraiment le pire tapis de souris de l'univers. Hein. Ok, bon, ça fait juste un truc de fond. Je vais juste monter le son. Putain, c'est vraiment le pire tapis de souris de l'univers. Hein. Ok, on l'entend, c'est bon. Hop là, on l'entend. Nickel.
Ouais, on entend bien. Ok, cool. De toute façon, elle devrait augmenter de volume, hein, si jamais ça monte trop fort, hein, vous me le dites. Alors, qu'est-ce qu'on était en train de faire? On était en train de faire de la merde. Ranger. Non, on range pas, on construit des trucs. Ah, là, ça commence à devenir plus fort déjà au niveau du son. En vrai, faut pas que je parle comme ça, la penchée de l'autre côté. Putain, oui, ça va devenir ultra fort en fait. Ta gueule! Ta gueule en fait! Ferme ta gueule! Baisse les yeux! Nickel. Non, c'est bon. Hop là, je vais reposer la souris là. Bon, ça devrait pas être trop fort. Vous me dites si c'est trop fort. De toute façon, Et bah, je vais gueuler sinon, hein. Fils de pute, enculé! Ça, il faut ça. Attends, je vais passer en vrai je vais passer des plombs, mais genre à juste prendre une petite pièce et mettre le petit truc dans la petite pièce. Et c'est surtout ça, trouver la bonne petite pièce. Bah c'est ça. C'est ça les Lego, hein. C'est de la recherche. Bah, c'est à dire que moi dans la vie, bah, je suis chercheur, hein. Ouais, je suis chercheur en Lego. Je suis chercheur en Lego. Mes journées à chercher des Lego. Je fais que ça. Bah ouais. Ah bah non, j'ai pas de famille. Ah non, je cherche des Lego. Et oui, c'est un travail donc là, monsieur. J'ai des journées très très remplies. Hein. Très très remplies de Lego. Bah, c'est à dire que je bouffe même des Lego en fait. Hop, un autre truc. Mais qui se nourrit de Lego. Et pour Loyo, il y a eu un petit problème de connexion avec ton compte. Ah, c'est toi, mais non. Sur le coup, j'ai eu peur. Hein. Sur le coup, j'ai cru qu'on m'avait hacké salement. Qu'il y avait Hackerman qui avait hacké mon compte. Du coup, ça m'a vraiment fait flipper. J'étais en train de me chier dessus. Où est-ce qu'il est le... Merde, j'ai perdu le... Il faut un truc comme ça, mais il faut noir. Il faut ça, mais il faut qu'il soit noir. Mais j'ai pas en noir. Pourquoi on entend Momo? Parce que Momo était en train de partager mon enthousiaste. Enfin, il voulait partager son enthousiaste. J'étais en train de jouer parce que je venais de speedrun. De passer 37ème. De passer 137ème mondial. Bon, on est 50. Sur, chacun s'en est. Sur Prey en speedrun. Voilà, ce mec maîtrise, pèse dans le game. C'est-à-dire qu'il a. Le jeu est un gruyère. Donc, oui, le jeu est un gruyère, donc ça devrait aller. Hop, et on rentre. Attention, c'est ultra jouissif de faire ça. Putain, faut vraiment que je regarde la bonne cam parce que je regarde à gauche alors qu'en fait c'est à droite ma cam. Attention, ça pénètre. Vous voyez pas la pénétration là. Faut pas se tromper de trop, hein, sinon c'est pas bon. Hein. Attends, je regarde bien si je me trompe pas de trop. Ouh. Le plaisir. Une squishy, comme on dit. Alors, comment on dit dans le milieu. Hop, on recommence une autre pièce. Alors, les Lego, c'est vraiment genre, tu fais une pièce, genre une pièce, mais ridicule. Tu refais une autre petite pièce. Et puis, cette petite pièce, genre 20 pages plus tard, tu l'assembles. Et puis après, tu la rassembles. Et encore, et ça continue. C'est une moyenne pièce. Voilà. Et après, ça fait une toute moyenne pièce, tu les assembles. Et après, ça fait une grosse pièce de ses morts. Alors, 14. Donc, j'ai dit tout à l'heure, hein, pour savoir la taille, hein, on compte 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc ça s'arrête là, donc il faut virer deux trucs. Donc bah, je vais le couper en fait. Hop, je vais le couper directement, comme ça on aura un 14. Bien sûr, je rigole, on va pas vraiment pas faire ça en fait. Sinon, je vais juste. Coupe toutes les pièces. Je vais... Bon, il y a marqué 14, je l'ai mis à 14. Non, mais ça va. En vrai, je fais ça, je me fais déchirer. Genre, mon père il découvre qu'en fait j'ai coupé ses pièces, il me déboîte la gueule. Il revend un de mes reins pour en racheter. Littéralement. Des deux. T'es deux reins en fait. Les deux reins, parce que c'est vrai que ça coûte une blinde. Alors, on met dans le premier trou. Hop. Ouf. Pénétration totale. On met dans. Alors, je veux juste un truc. Je vais juste cacher le nombre de viewers parce que ça va me. Je sais pas, j'arrête. Non, mais c'est insupportable quand tu regardes. Quand tu fais un live et que t'as tes stats, tu passes ton temps à regarder tes stats. Et c'est horrible. Oh mon dieu. Alors que pourtant, on est pas mal, hein. Franchement, les mecs, ça vous intéresse, c'est Lego. Hein. Allez, Lego, c'est cool. Alors, putain, c'est chiant. Ça, c'est très chiant. Je vais mettre. En vrai, j'ai un écran qui sert à rien en plein milieu. Pourquoi est-ce que je l'utiliserais pas pour juste mettre ma prévisu et bien être sûr de ce que je vous montre à la caméra?
putain, je suis en train de puer la merde. Bah pour mettre autre chose à la place. Ah non, ça ne sert à rien. Alors, comme ça, je suis sûr de... Donc là, il va falloir mettre dans un des trous, là. Dans un des trous qui est juste là. Sauf que sur la carte, c'est vraiment de la merde. Il faut recompter les trous. Donc on va juste passer notre temps à compter des trucs. C'est pas que ça me déplaît, mais c'est vrai que c'est un peu... L'ego, c'est que tu passes ton temps à chercher des trucs et à les compter. À compter. Putain, le mec qui... Là, j'ai regardé la dernière... tout à l'heure, là, un petit peu la vidéo du stream sur le montage du Destroyer... Impérial qui vient de sortir là. Et genre, je me dis, mais putain, mais mec, il faut. C'est quand même. C'est franchement, les Lego, c'est un truc passionnant qui fait que tu peux rester des heures dessus tant que t'as pas fini. Ah oui. Mais j'avoue que quand même, au bout d'un moment, c'est un peu drôle. Mais j'y passais la nuit. La nuit. Ah, je m'endormais pas. Hein, tant que j'avais pas fini. Ah non, c'est pas la bonne pièce. Petite feinte, c'est pas la bonne pièce. C'est censé être plus court ici. Donc non, ce n'est pas la bonne pièce, donc on ne la mettra pas. Rebelote. Il faut pas se planter. Putain, hier soir, je me suis mis trop bien. Ah ouais. Hier soir, genre, j'ai mon Léo qui m'a passé une série. Ça s'appelle The Boys. Je pense qu'il y en a qui connaissent. C'est un truc qui est fait par Amazon. Et c'est une série avec des super-héros, mais genre super-héros en mode anti-héros, genre qui tuent des gens qui sont méchants, et en gros, il y a des gens qui essayent de se venger d'eux. Et genre, franchement, c'est une des meilleures séries que j'ai vues là depuis... Je suis complètement connard, j'ai oublié de te dire. Oui. Genre, ça n'a rien à voir, mais tu vas rager en plus. J'ai fait une game de CS et j'ai rank up, du coup je suis marqué. Et je vais baiser ta mère en fait. Ah, peut-être pas, parce que c'est sale, mais je vais te casser en deux. Monte, et là, c'est une autre histoire, tu vois. Ah, et là, ça part en couille. Alors là, je pense qu'on va devoir redoubler le truc encore. Mais il va falloir mettre des petits trucs au milieu. Et ça, c'est beau. Oh, les petites cloches de Minecraft, ah, elles font plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais ça, je me suis pas planté. Hop. Oh là, on passe sur un truc où il y a du jaune. Attention. Du jaune. C'est pas de la merde, on voyait rien, parce que voilà. On va peut-être mieux voir comme ça si je fais ça. Voilà, comme ça évitera les trucs de merde là qui pourrissent la vision. Hop. Alors, on avait dit du jaune. Et ben, je crois que c'est un truc déjà monté. Alors non, c'est pas ça. Ça ressemble, mais c'est pas ça. Bon allez. Tu y vas là? Il y a demain. Ouais, t'as raison, de toute façon. Je sais qu'il faut que tu te couches tôt pour éviter d'être fatigué. Parce que moi, je me lève tôt. Moi, je suis pas un chômeur, moi, tu vois. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Et bah, du coup, tu dis à vendredi. Ouais, à vendredi. Ah oui, bah, pourquoi tu peux... Ah oui, bah, c'est vrai. Demain, on est mercredi. Après-demain, plongé. Putain, c'est trop... La musique de Minecraft est en train de me péter les oreilles. Ferme ta gueule. T'es la pire idée. Bah, on jouera. Allez. Ouais, bah ouais, complètement. Bonne soirée le stream. Ah bah non, c'est pas le stream. Bonne soirée les gens. Le stream. Ouais. T'as 4500 personnes qui te regardent. C'est le stream. Je suis un monstre. T'as deux poteaux. Je suis un monstre. Arrête, depuis qu'il y a le Z-Event, là, j'ai eu une grosse montée de vues sur mes vidéos. Comment faire des overlays et comment... Genre là, je vais bientôt atteindre les 10 000 vues sur comment faire des overlays. Parce qu'en gros, genre après le stream, genre après le Z-Event, genre il y a plein de monde qui ont fait vas-y, cool, faut trop qu'on fasse des lives. Du coup, bah je fais des lives, c'est pour ça que voilà. Et du coup, il y a plein de monde qui sont allés voir mes vidéos. Ouais. Bon bah, bonne nuit du coup. À demain. Enfin, bah non. Bah non, bah nique ta mère. À plus. À plus. Et essaye pas trop de me. Ouais, bah, et continue à t'entraîner sur Prey pour enfin battre le record du monde. Si ça m'étonnerait quand même. Putain, il est parti ce bâtard, il m'a foutu un vent plus tôt. Attendez, il faut que je fasse un petit move. Ça va être compliqué. Hein. Voilà. Ils ont à dire de ce côté-là. Putain, j'ai. Ah oui, putain. Est-ce que. Ah, je sais ce que je vais faire. Il faut que je le rajoute, c'est une question de vivre ou mort. J'ai découvert ça genre hier, j'étais en mode. Mon dieu, meilleur truc du monde! Est-ce que vous connaissez... Ouais, c'est bon, je l'ai. Est-ce que vous connaissez... ce Pokémon? On va le mettre là. Voilà. C'est le Pokémon qui vous fait dire...
Vous avez un regard bien Zeref, mon ami. Du coup, bah, son regard Zeref m'inspire dans la vie de tous les jours. Et du coup, clairement, c'est le meilleur Pokémon qui est sorti depuis... C'est quoi, c'est Flamme Artichaut, je sais plus. Non, Lance Artichaut. Je sais plus. Spire Artichaut. Bref, on s'en bat les couilles. Mais en tout cas, ce Pokémon m'inspire dans ma vie de tous les jours. Du coup, je veux qu'il soit là. Car il a un regard bien Zeref, mon ami. Putain, c'est là. Putain, je suis en train de bouger mon overlay. Je veux bouger Flamme Artichaut. Voilà. Comme ça, il va flame. Parce que c'est Flame Artichaut. Il flame, il t'insulte dès que tu fais des erreurs. Alors. Hein. Putain, il faut que je trouve le deuxième, ça va être très compliqué. Bah non, il n'y en a qu'un seul, je suis un fils de pute. Je cherche. Il faut ça. Je sais pas pourquoi j'avais envie de chercher un deuxième alors qu'en fait il y en a qu'un. Faut pas charger hein, comme ça. Une pièce qui se rallume, un plaisir. Alors, il faut deux trucs comme ça. Petit. J'arrête de violent comme ça direct. Ou quoi ? Et la pression de la caméra fait que je passe mon temps à dire de la merde. Alors qu'on est là pour se poser tranquillement. Putain, mais je l'ai mis. Désolé, j'ai glissé. Ça y est, j'ai perdu un truc. Aïe aïe aïe. Terrible erreur du joueur français. Qui a déjà perdu un truc. Ah non, c'est bon, j'ai. C'est bon. Je suis sauvé. Je l'ai retrouvé. Alors, qu'est-ce qu'il faut d'autre après ? Des petits trucs. Hop, des trucs comme ça. Il en faut combien ? Il en faut deux. Ça, je le virerai. Ça, je le virerai dedans parce que j'en ai un peu rien à foutre. Après, on rangera tout bien. Est-ce qu'il faut savoir tout ranger ? Bon, je vais pas faire ça ce soir parce que voilà, hein, j'ai la flemme. Déjà, on va déjà s'occuper de le monter. Avant de penser à le démonter. Hein, c'est comme les mamans. Il faut les monter avant de les démonter. C'est déjà plus pratique. Et ben non, c'est pas ça. C'est ça là que je cherche, là, deux trucs comme ça. Là. Deux trucs coudés là que vous voyez pas du tout. Mais deux trucs coudés. Hop, j'en ai un. Et deuxième. En tout cas, le seul moyen de monter rapidement des Legos, c'est juste en fait. Des Legos. Je sais pas pourquoi, j'ai hésité. Des Legos, c'est juste en fait d'avoir des petits sachets. Et de tout mettre en petits sachets. Ah mais j'ai celui-là mais il est pas noir et moi j'aime le noir. Parce que je m'appelle Dark Sasuke, c'est bon j'ai un noir. Je l'ai attrapé. Il courait vite mais je l'ai eu. Alors 4. Ça doit être ça. On peut pas compter là. Non, on peut pas. Là c'est 3, ce n'est pas assez. Ça ne va pas du tout. Voilà. Et ah non, c'est 4. Nickel. Ok, on a tout. Et ah non, il manque un truc. Ok, c'est ça qui manque. Je m'en souviens, hein, c'est pas la première fois que je le sais, donc que je le fais, donc je sais que c'est. Que je sais. Je sais que je sais ce que ça va donner de faire ça. Déjà, je visualise déjà dans ma tête. Ce qui me rend plutôt efficace au montage. C'est-à-dire que j'arrive là, bam bam, hop, je le mets, bam, ça je mets, ah, ça va pas rentrer. Plus fort, voilà, c'est bon.
Ensuite. On met le deuxième. Bon, je suis pas au point de le connaître, genre en mode je le fais les yeux fermés, mais c'est déjà pas mal. Plus fort. Encore plus fort, monsieur. Allez, il faut rentrer dans le trou. Voilà, c'est bon, il est rentré. Ensuite, on met ça. Et de deux. Hop. Voilà. J'avais pas vu le message de Biol. Je suis Ackerman. Oui, tu maîtrises le kung fu. Et la matrice. Hop. Et voilà. Et une autre petite pièce qu'on va pouvoir emboîter calmement. Hop, on aligne bien les trucs. Et on le met. Comment ça se fait, c'est plus grave. Attends, c'est comme ça? Ça me paraît bizarre, ce truc. Genre, c'est comme ça. Je sais pas, en tout cas, c'est ce qui est marqué sur le manuel d'utilisation. Ok, ça c'est fait. On va pouvoir tourner une page. La première d'une longue lignée. Et on va pouvoir remettre le deuxième que j'avais préparé à l'avance. Parce que je suis très prévu. Allez. Je galère en fait. Bon, écoutez les amis, je suis un peu embarrassé car je galère mes grands morts. Donc il va falloir que je ramène la boîte par ici pour trouver cette pièce à la con. Enfin, si jamais vous la voyez, hein, vous me dites. Ici, dans le cinquième compartiment, en partant de la droite, en dessous là, dans une brique rouge. Mais il n'y a pas de brique rouge, Michel. On se prend bas les couilles. Putain, mais elle est où? Il y a un truc comme ça là, mais avec une bouboule au bout. Et je sens que s'il y en a que deux, des pièces comme ça, dans tout le truc. Genre, après ça, elle ne servira plus rien. Et j'ai quand même réussi à les perdre. C'est cool. Regardez dans les trucs comme ça, parce que des fois, elles sont restées accrochées. Non plus. Piou, 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 piou. Mais c'est que ça me fout. Je l'ai trouvé. Salut Maëlys, ça va? Comment ça va? Je suis en train de galérer dans ma vie. Allez. Où es-tu? Que fais-tu? Qu'as-tu? Putain, mais je vais pas le retrouver. C'est un truc de dingue.
va les faire un par un. Putain, je vais pas réussir à aller. Allez, ressortir. Super, et toi? Bah là, je galère un petit peu à trouver une pièce. Donc je suis un peu dans le mal. Mais ouais, sinon ça va. Je sens que la soirée va être longue, mais longue. Mais bon, on a la musique de Minecraft pour nous... pour nous accompagner dans cette terrible épreuve. Donc ça devrait aller. Putain, mais c'est un truc de dingue ça. Je l'ai pas mis sur le côté. Non. Et je vais pleurer. Là je commence déjà à pleurer, j'ai les larmes qui montent. Attends, je vais regarder derrière. Y'a rien. J'aurais préféré qu'il y ait quelque chose, mais y'a rien. Allez. Elle s'est bien passée ta rentrée, mon ami. Dès que j'en trouve un, je vais le mettre à côté comme ça. Je ne serai plus perdu. Ouais, c'était plutôt cool. T'es à la fac d'où déjà à Lille. Tu fais quoi là-bas du coup maintenant? J'ai peut-être déjà dû te le demander, mais j'ai oublié. C'est 10 ans à chercher une pièce de merde au lieu d'avancer. Petit. Je siffle, hein, mais je suis dans la douleur. Hein. Non plus. Toujours pas. Licence d'art. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, au niveau des cours, ça te plaît? Enfin, c'est à peu près ce que tu t'imaginais, je pense. Ou alors pas du tout. Si ça se trouve, tu pleures tous les soirs parce que c'est de la merde. À chaque fois. Allez, je vais le trouver, vous inquiétez pas. Je ne suis pas perdu. Je le sais au fond de moi que je vais les trouver. Ah, attends. Je l'aurais vu. Oui, c'est une victoire. Dans la vie, les enfants, il ne faut pas désespérer. Je l'ai eu, cette putain de boule de mort. Enfin, on peut continuer. J'avoue qu'elle a failli me faire tout arrêter. J'avais un esprit faible. Mais maintenant, c'est réglé. Je peux aller de l'avant. Et rentrer ce truc dans ce truc de merde qui veut pas rentrer. Barre-toi! Ah non, rentre dedans plutôt. Mets-toi quand même. Rentre dedans.
voyez rien, mais c'est pas grave. Je suis en train de faire pénétrer lentement les pièces les unes dans les autres. C'est bon. Bravo. Mais oui, je maîtrise. Et on remet hop, la suite. Ah non, ça c'est trop long. Merci pour vos encouragements, ça fait plaisir. C'est ça. Hop. Ouais, c'est bon, c'est ça. J'étais en train de me dire, mais attends, mais c'est pas droit en fait. Quelle est cette sorcellerie? Oula, ça commence à mettre des trucs là-dessus. Bon, j'y vais, à plus, Maëlys. On passe bientôt. Enfin, j'ai raté ce que je voulais dire. On se reparle bientôt. Hop. Hop et un petit truc. Et bon. Et donc comme ça, on est pas mal. Ouais, on est très bien même. On avance bien. On a fait le début. Ensuite, il nous faut la fameuse plaque. Comme ça, celle-ci. Et qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il faut un truc comme ça qui est coincé. Voilà, on va en trouver un autre pas coincé. Je pense que de toute façon, il sera à remettre dans la même chose plus tard. Donc, on va les sortir pour les revendre juste après. Voilà, et puis il y en a un juste là, donc pas besoin. Je suis en train de pas faire les choses dans l'ordre, mais c'est pas grave. Donc, je remettrai les autres après. Et je vais mettre les trucs que j'ai pas mis. Ils sont juste là. Ils sont des petites plaques. Toute mémé. Hop. Et des petits trucs tout mimi. C'est pas le bon. Ah, ça tient pas, non, c'est la fin des pâquerettes, comme on dit. Pas ça qu'on dit. C'est pas grave. Putain, il en faut deux plus. Alors je les ai même pas encore trouvés. Je suis dans la merde. Ah,
c'est bon, je. Je suis bien embarrassé car je suis dans l'incapacité de trouver. En plus, ça rime. Hop là, j'ai. Une petite plaque juste ici. Nickel. Là, j'espère que je vais réussir à l'enlever. Je sais pas, il y a deux trucs comme ça, mais ils sont pas comme les autres. Donc, j'espère juste que. C'est pas celui qu'il faut mettre parce que sinon je vais galérer à l'enlever. Que je vais devoir les défaire, ce qui ne va pas être de la tarte comme on dit. C'est quoi cette taille? C'est trop petit. Ça, c'est trop de la bonne taille en fait. Hop. Je les fais pas du tout là. Je fais les trucs mais pas du tout dans l'ordre, j'en ai rien à foutre. Je suis un dingo, mon frère. Ça c'est trop. Ça c'est trop. Ça n'a rien à voir. J'ai fait tomber une pièce. Non. Hop, nickel. Et deux trucs comme ça. Il faut un tout petit. Un tout petit comme celui-ci. Je viens de faire péter un truc. Je viens de péter un truc. Et là, faut sortir ces trucs-là, donc il faut les sortir. Est-ce qu'on n'a pas une petite technique un peu de magicien pour les faire sortir, genre la technique de je te rentre un truc dans le cul. Je suis en train de rentrer un truc dans le cul. Ah, ça va passer. Putain, ça va pas passer. Ah, mais non, je suis con. Alors, je pense que ça va marcher. La technique, il s'agit de prendre. On va essayer de le péter, hein. Peut-être bien. Ok. Pas trop mal là si je fais ça. Ça va les ramollir un peu. Genre, j'avais dû me couper les ongles, putain, ça fait mal.
Ah, si, bon. Hop là, ça fait un. Et le deuxième. Hop là, et deux. On évite bien sûr de les rayer. Même si en vrai, je pense qu'ils sont rayés. Non, ils sont pas rayés du tout. Putain, c'est le pire truc. Il faut pas forcer sur. Je l'ai fait tomber, je le sens. Hop là, voilà. On voit rien avec cette cam, c'est un truc. Voilà, elle va tomber, c'est la bite. Elle va coûter beaucoup trop cher pour que je la fasse tomber. Voilà, comme ça. Nickel. Donc, une fois que ça s'est mis, on n'a rien oublié, on n'a rien. Oublier 6, c'est bon. On est à là. Et donc pour ce truc, il faut. Il faut 1. Il faut 2. 3. Deux, quatre, boum, bim bam boum, comme on dit. Ça, il faut 8. Comme ça. Alors, c'est les tout petits, hein. c'est pas les gros. Hop là, 8. Attends, c'est quoi comme truc? C'est ça. Peut-être comme ça, du coup. Hop, ça fait déjà 2. Ah ben non, ils sont là. Ouais, il en manque un. Et le quatrième qui est juste là. Nickel. Alors, ça se met comment ce truc? Pour rentrer. Ça. Ça en mettre 2, en mettre 2, j'ai dit. Voilà, hop là. Ah. Il y aura peut-être des petites rondelles là qui vont être pétées, donc il va peut-être en manquer. J'ai pas tout prévu, donc je sais pas si je vais
avoir ce qu'il faut, sinon je vais devoir aller en chercher. Et ça devrait prendre un peu de temps. Mais on espère que on n'aura pas besoin de faire ça. Hop là. En plus je me penche un peu trop. Attends, je peux dézoomer la cam au pire. Voilà, je suis plus petit, mais comme ça, au moins, comme ça, quand je me poche, on me voit quand même. C'est quand même vachement bien. Et donc, on était parti sur ça. Ça. Attends, c'est comment? C'est comme ça. De là. Ici. Putain, j'ai encore fait tomber ce truc de merde. Encore fait tomber ce truc de merde. Comment ça ressemblait à un truc? C'est pas vrai. Il faut rentrer dans le trou trou maintenant. Je peux y arriver. Et l'autre. Et celui oui c'est comme ça, ok nickel, c'est ça. Nickel, c'est ça. Hop là, ça on peut pas se planter. Hop, page suivante. De toute façon, on va arriver là. Ouais, là on arrive sur les grosses parties. Donc je vais faire une petite pause. Hop, je reviens d'ici genre 2 minutes, le temps d'aller pisser en fait. Hop. Donc je reviens tout de suite. Hop. Petite pause. Parce que j'ai foutu mon truc. Voilà, c'est. Allez, j'arrive tout de suite. Hop, on est de retour. Est-ce que j'ai mon truc là? Voilà. Et bon. J'ai ma petite pince au cas où là. Genre pour prendre des trucs ultra précisément. Voilà, c'est ultra précis, mais ça sert à rien. Putain, je viens de voir, mais j'ai récupéré ça là, il y a pas longtemps avec une. Un vide-grenier, bon, c'est une cartouche de Pokémon version or. J'ai récupéré ça avec une Game Boy Advance pétée, mais alors détruite, cassée en deux.
Bon, elle était, bon, elle marche encore, hein. Elle est encore, ça va, elle est en, je déconne, elle est en plutôt bon état, mais elle était vraiment dégueulasse. Du coup, le jeu avait plus de trucs et la pile à l'intérieur est morte, donc je pense que je vais peut-être faire un tuto, genre un petit truc sympa sur comment genre changer les piles de BIOS, enfin des piles, pas des piles de BIOS, les piles de sauvegarde de cartouches Game Boy. Ça pourrait être pas mal. Alors, il me faut quoi? On va continuer avec quoi? Est-ce qu'il me faut 4 trucs comme ça? Bon, il y a vraiment une étape. Ça, il y a plein de trucs en vrai qui servent à rien dans les étapes. Genre là, ils me demandent de mettre 4 petits trucs comme ça dans 4 petits trous. Ils ont pris genre une demi-page pour faire ça. C'est n'importe quoi. Alors, on doit les mettre où? On les met ici. Rien de si compliqué. Et ça. Ça, voilà. Et là, on se rend compte que les petits trucs tout lisses juste ici, c'est pour pouvoir mettre ça comme ça et que ça glisse parfaitement. Et oui, qu'est-ce qu'ils sont intelligents chez Lego? C'est vraiment des ingénieurs de la petite brique. Lol. Et du coup, ça fait que ça bouge. Qu'est-ce que c'est bien fait? Ah oui, du coup, par contre, il faut vraiment que je remette ce truc. Sinon, je vais avoir l'air con. Remet ça. Ah, il faut rentrer maintenant. Voilà, c'est rentré. Nickel. Et du coup, les deux bougent. En plus, elle veut te faire un câlin. Fais-moi un câlin, fais-moi un câlin, je vais te tuer en fait. Non, je connais, elle veut pas te tuer. Elle est gentille. C'est un peu fort. Hop, on va baisser un petit peu. Comme ça sera parfait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors là, on part sur un gros truc. Oh là, il y a un gros truc là. Non, je déconne, c'est ouf. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut 2 de 6. Ça fait 5. C'est la vie. 6. Et ben c'est ça. Voilà, les deux de 6. Oula, ils sont pas de la même couleur. Non, c'est juste un effet d'optique. Je suis juste con. Je ne suis que con. Ce n'est pas grave. 2 avec un trou. 1. Le deuxième, il est quelque part. Encore une fois, c'est la bite. Il faut le retrouver. Ouais, non, il en faut qu'un, c'est pour ça qu'il y en a qu'un en fait. Il faut. Il faut, hop, ça. Ce petit truc. Il faut une heure comme ça et. J'habille, on commence à toucher à des engrenages. J'adore les engrenages.
Mais il va me manquer ces deux. Ah, il manque le petit. Il y en a juste là. Hop, parfait. Et il manque les trois. Troisième. Où est le troisième? Puis-je, qu'entends-je? Ah, je vais pas mettre les dents. Je suis pas un sale non plus. Donc, étape extrêmement compliquée. On prend le petit truc. On le met dans le truc un peu plus grand. L'écho, c'est beaucoup de trucs comme ça. C'est tu mets des trucs dans des trucs. Mais c'est pas grave. On adore ça. Ensuite, tu mets dans ce truc que tu mets lui-même un truc dans le truc. Voilà, et ça fait des trucs dans les trucs, ok. C'est plutôt long, je pensais que ça allait être plus moins court. Ouais. Que ça allait être moins long. Ensuite, tu empales ça dans ça. Tu mets deux trucs comme ça. Hop, tu mets un truc comme ça. Et tu mets un truc comme ça. Et maintenant, il s'agit de bien les aligner. Pour que ça fasse un truc joli. Et là en plus on se rend compte que c'était quand même vachement bien pensé. Si j'arrive à bien le rentrer. Allez. Voilà, comme ça. Ok, ça a l'air normal. Je me demande pourquoi est-ce qu'il y a un truc tout seul là qui touche pas au... Mais ça a l'air normal. Donc tant mieux en fait. Hop là, page suivante. On part sur des grosses barres vertes. Des grosses barres vertes. Les plus grandes on va dire. Ça aurait pu mettre au moins le nombre. Ça a l'air de plus les plus grandes en fait. C'est les plus grands. Ouais, les plus grands, mais non, c'est pas bien, les plus grands en fait. D'accord. Ah oui, en fait, ça c'est juste pour aider. Voilà, ça c'est juste pour aider, tu poses ça. Une fois que t'as posé ça, en fait, ça permet que ça bouge plus. Ouais, comme toujours, hein, c'est quand même vachement bien. Parfait. Là, il faut un double. Et il en faut deux doubles. Et deux doubles. Ah, je demande 5 depuis tout à l'heure. Enfin, depuis tout à l'heure, je demande des 6 et là, je demande un 5 et je demande un 6. Comment ça? Et 100. C'est la première fois que j'entends cette musique de Minecraft. Pas tout le monde joue à Minecraft sans son, hein, faut le dire.
Pour l'instant, on n'a pas encore perdu de pièces. Enfin, il n'y a pas encore des pièces qui manquaient. Donc, nickel, pour que ça dure. Je pense pas qu'il y ait de raison pour qu'il soit, pas complet, mais on ne sait jamais. Donc tu mets ça comment? Tu mets ça juste comme ça, c'est tellement bien fait. Waouh, c'est parfait. Waouh, c'est magnifique. Ça paraissait plus grand dans mes souvenirs, c'est normal, j'avais 8 ans. Ok, bon, c'est pas mal. Pouah, on a fini. Et ça. On a fini ça avec les. Ils ont des jolies petites. Des jolis petits trucs. On vient de faire tout le système des roues en fait. Il me faut. Alors, vous voyez pas parce que j'ai la caisse qui bloque. Mais... Une, deux, cinq roues. Comme ça, enfin, c'est des comme ça ou c'est des autres comme ça, c'est des tout petits coudées. Un 5 trous et deux petits coudées. Parce qu'il y a des grands coudées et des petits coudées. Ce qu'on veut, c'est les petits coudées. Juste là. Nickel. Ensuite. C'est des 6. C'est beaucoup de consolidation ce truc là. Ça permet d'avoir un truc bien solide. Sauf ici, parce que ici c'est de la merde. Aïe. Je vais peut-être baisser un petit peu vu que je penche la tête en avant. Voilà, là c'est bien 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 consolidé.
là, c'est solide. Mais c'est solide. Qu'est-ce que c'est solide? La solidité à l'état pur. Elle se coupe toujours brutalement cette musique. Si t'as pas l'habitude, ça fait peur. C'est bien fait. Tellement bien fait. C'est tellement bien fait. Mais oui. Nickel. Alors, qu'est-ce qu'on était en train de créer? Il faut une grande barre. On va attaquer un deuxième étage. Alors, c'est une grande barre comme ça. Voilà, c'est bien fait, le petit truc qui va pile en dessous. C'est trop bien. Là, on commence à mettre des gros pistons là. Allez, vite, il faut qu'on se fasse pistonner un max. Le gros piston. Là, j'ai le gros piston. Ensuite. Là, on commence à rentrer dans le vif du sujet avec des pièces qu'on n'a jamais vues. Hop, ça. On n'a jamais vu ça. C'est vraiment intéressant, je ne crois pas, mais on les a jamais vus quand même. Trois, parfait, c'est ça. Alors, il faut mettre ça dans le trou. Allez, c'est bon, ça. Je sens que je vais le démonter, mais à l'arrache. Non, non, il faut pas le faire, mais c'est pas grave. J'en ai rien à foutre. Hop. C'est trop bien fait, c'est trop bien fait, c'est trop bien fait, c'est trop bien fait. C'est bien fait, mon petit.
Oh, c'est bien fait ça, oui. Nickel. Ensuite, la même chose de l'autre côté. Pourquoi ça ne veut pas rentrer? Là c'est rentré. Là c'est bien. On aime quand ça rentre. Ça avance bien, ça avance bien, ça avance. Je sais, ça le fait rentrer dans le deuxième truc. Mais c'est pas facile. C'était juste le test. Il faut le remettre de l'autre côté. Sans tout démonter. Même si je pense que je vais pas avoir le choix. Hop. Ça va être plus facile comme ça. Bon, je fais un truc à risque, hein, on ne sait jamais. Ça pourrait marcher. Tu sais quoi, nique ta mère.
Je suis en train de me dire, mais est-ce qu'au moins on peut faire passer ce truc à travers? Oui, on peut. Donc c'est que... C'est... Mal mis. Ah, mais ils sont pas compatibles en fait, ces deux-là. Hein. Quelque chose qui fait que ça veut pas rentrer. Ah oui, mais non, mais non. Et c'est pas la bonne pièce en fait. Oui. Celle-là, la pièce. Je viens de pourrir mon truc pour rien du tout. Ben oui. Heureusement que ça se remet facile. Ouais, ouais, heureusement, ouais. Ouais. C'est pour ça que le truc n'est plus droit. Enculé, le début, mais ça marche quand même. Ta gueule, en fait. Si je mets pas ça, ça va pas marcher. Je peux le faire en fait. Les difficultés ont été surmontées. Ouais, c'est vrai en fait. Voilà. C'est bon. Maintenant, on met le vrai truc. Non. Voilà. Et bon, c'est mis. Pouf, ça a été compliqué. Non, ça fait mieux. Hop. Non, il faut un truc comme ça qu'on met. Comme ça. Et de l'autre sens, mais c'est pas grave, ça va pas juste tout tomber. C'est pas grave. Hop là, ah, c'est comme ça. Je crois qu'il faut mettre ça comme ça.
Je pense. C'est a l'air d'être ça à peu près. Ensuite. Oh là, il nous faut des sièges. On va faire le support pour les sièges. Avec des roues. Des trucs. Désolé, j'ai tapé dans le micro. Hop. Ça craque. Ça croque. Ouais, ça a l'air quand même vachement fort encore. Il faut dire que c'est utile ce genre de truc. Ça c'est 4. La différence entre 4 et 5 est tellement violente que... Bah que j'ai du mal en fait à savoir comment quel si c'est vraiment pas genre un 3 ou un 2. Ouh, fatigue qui nous jette, non, ce n'est pas possible. Putain, je crois que c'est la première fois que je monte des Lego de façon aussi triste. Non, ça rend pas pareil sur la photo, hein. Mais bon, ça a l'air de ça. Ça s'emboîte parfaitement, mais c'est tellement bien fait. Non, c'est de l'autre côté, putain. Pour ceux qui pensaient que les croix étaient supérieures aux ronds, et ben en fait, c'est tout l'inverse. Ouais. C'est dur à avaler, mais c'est...
Je l'avais tout à l'heure la pièce qu'il fallait, mais je l'ai perdue. Voilà. Ça va, je l'ai pas tant perdu que ça. Nous n'avons toujours pas gommé sur la photo. On repart sur encore un truc de différent. Ah, le logo qui s'éclate. Donc qu'est-ce que qui s'éteint et qui se rallume toujours pour le plaisir. Putain, j'ai fait tomber ça. Le jour, j'avais dû. Ah bah par contre, j'ai encore un problème de son. Ah, ça m'énerve. Ouh, c'est pas grave. J'ai pas envie de dépenser de la thune dans des casques. Ah non, c'est pour ça que je suis juste qu'il n'y avait plus de son. De musique de merde. J'adore les musiques de Minecraft, c'est une musique où genre... En fait, le son, voilà, je l'ai pas souvent. C'est pas très grave. Pas important pour une musique d'avoir un peu de musique. Hop, là ça se fait, c'est super joli, c'est vraiment bien fait. Ça empile dedans. C'est vraiment bien bien fait. Quelque chose de bien. Je suis un peu con. Là il y a une erreur. Genre ça, c'est censé être là. Mais bon. Je sais pas si je pourrais. Alors remettre sans tout péter. Si. Et de façon prodigieuse. C'est bon. Salut Nick. On le panique pas! On le panique pas! On le panique pas! Hop.
Bon, oui, on remet un truc comme ça. C'est bien fait. C'est bien fait. La déception. Hop là, j'ai réussi. C'était dur, mais j'ai réussi. J'ai fait une contorsion du bras totalement impossible à faire en temps normal. Là, c'est mes super pouvoirs domestiques. J'ai réussi à toucher le sol. Ouais, je sais, c'est vachement impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il faut une bonne barre. J'avais pas vu qu'il fallait mettre ça. Mais pas grave, on les met quand même. YOLO. Je fais même pas gaffe à c'est quoi le truc, mais c'est pas grave. Sûrement pas ça. C'est 1, 2, 3, 1, 2, 4. C'est fini ou quoi les musiques là? Non, ça met juste énormément de temps. On va mettre Animal Crossing, je sais quoi, il y a plus de trucs. Tam pam pam pam. Pam pam pam. Pam. Boum boum tchac tchac. Pa pa pa. Bam bam pa. Saturne. Hop. Hop. Mon dieu, j'ai pas les élastiques dessus. Ah non, il est censé avoir des trucs là. Mais sauf que je les ai pas. Du coup, je suis salé. Mais je m'en fous un peu quand même. Ouais, il y a un plan sur le côté pour savoir comment qu'on met. D'accord, on pose juste les sièges dessus comme ça. Et vu que c'est vachement bien fait, ça rentre pile poil. Ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. Ouais, c'est une erreur là. Je viens de mon compte d'une terrible erreur. Ah oui, oui. C'est pas grave. Ouh.
C'est pas grave. Juste redémonter tout. Putain. Je vais y arriver. Allez, on remet ça. Là, ça me donne quand même du fil à retordre. Hein. C'est bon. Ok. Tu veux plus rentrer, tu rentrais très vite tout à l'heure. Nickel, là ça marche. Là maintenant quand on bouge ça fait bou 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 bou. Ah vraiment un truc nickel. Ah, du coup. Que j'ai oublié des trucs. Oui, j'oublie des trucs. Ils sont là. Nickel. Ça marche. Hop, la suite. Thank you.
Doum patoum. Doum patoum. Doum, doum, doum. Ah, je l'ai pas respecté, j'ai utilisé les dents. Je m'étais promis de pas le faire. Non, la damnation éternelle. Et chaud. Mais il y en a combien des trucs là différents en fait? Genre ça, c'est pas le même que ça. À plaisir. Ça servait à rien ce que j'ai fait. Ouh, fallait les remettre au-dessus. C'est bon, il est pas long. Commence à être pas mal, non. Après ça va sûrement être les gros trucs. Salut Pony Push, ça va? On est bien aujourd'hui. On se pose, on est au calme.
comment vas-tu par cette belle soirée? Je sais pas ce qu'il y a dehors, j'ai pas regardé. Point. 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 Ah ouais, c'est vrai. Bah, après, c'est en testant que tu vas trouver la bonne solution. Bah vas-y, fais-toi plaisir. De toute façon, là, on est au calme. Je dirais même que si tu te détends bien, tu pourras même peut-être t'endormir devant le stream. Ouais. Même si bon, avec ces vieux bruits de merde là, on risque pas de s'endormir. Et puis bon, pour moi, c'est la première fois que je fais un truc comme ça. C'est pas mal. Ça m'intéresse en plus avec des musiques d'Animal Crossing. Ah bah j'étais sur... J'écoutais tout à l'heure celle de Minecraft, mais je me suis dit... Ouais, Minecraft, elles font bien les musiques, mais bon, quand t'as 1 minute 50 de blanc sur une musique de 3 minutes... C'est un peu de la merde quand même. Du coup, bah, j'ai fait vas-y go. Let's go, on va écouter Animal Crossing. Et c'est une très bonne idée parce que celle-là, je ne les connaissais pas en plus. Il me manque un truc. Oui, il me manque. Là. Putain. Putain, mais je fais que de la merde. Elles sont bien, ça détend. Bah ouais, parce que bon, hein, j'ai pas du tout trié les pièces avant de faire le Lego. Du coup, je me retrouve à chercher des petits trucs dans des caisses complètement en bordel. Genre là, il faut que j'aille chercher des trucs comme ça dans des trucs comme ça. Du coup, ouais, des fois, j'y passe 15 minutes et heureusement que ça détend. Parce que sinon, je sais pas ce que je fais. Je ferai un plan diabolique sûrement pour détruire le monde. Mais bon, moi ils sont là. Donc ça va. C'est censé être quoi comme véhicule? Alors c'est un vieux Lego technique. Hop, voilà. Avec un gros véhicule à 6 roues avec une énorme pince. Un truc bien. Mais c'est un peu long à monter. Mais ça va. Et c'est un truc que j'ai depuis super longtemps. Et que je me suis dit, vas-y, tiens, on va le remonter. On va se mettre bien. On va faire un petit stream tranquille. Et du coup, me voilà. Hop. Il me manque deux pièces. Il me manque ces deux-là qui sont... What the fuck. Et ouais, c'est un jeu des années 80. Donc, ça rigole pas. Les enfants. En plus, tu peux même mettre un moteur dedans pour... Il a tué des gens. J'ai déjà dit. Ça fait 3 fois que j'utilise les dents et j'avais dit que je n'allais pas utiliser les dents parce que c'est pas propre. Surtout que, vu le nombre de fois qu'il a été monté, je pense que le nombre incalculable de personnes a dû utiliser les dents dessus. Et il y a de grandes chances d'attraper une maladie grave. Mais c'est pas grave. Le véhicule du démon qui ressemble à rien. Exactement. Mais non, en vrai, il est stylé. En vrai, il est stylé. En vrai, c'est plutôt stylé. Ça fait un peu Matrix. Enfin, il est plus... Bah, après, c'est pas parce qu'il est vert, mais... Genre, dans la forme, ça fait un peu Matrix. C'est plutôt sympa. Il y a plein de fonctionnalités marrantes, genre... Genre, déjà, là, sur le châssis, genre, tu tournes le truc et... ça bouge, hello. Du coup, c'est marrant parce que tu peux le piloter en faisant... Et en tournant le truc. C'est plutôt drôle. Bon, je pense qu'on est motivé, donc on va essayer de le faire en... On va essayer de le faire en électrique. Il y a un système et tout pour... avec des... Ça, c'est des moteurs pour pouvoir faire tourner le truc. C'est pas mal. En ce temps, il a jack sur son montage depuis une semaine.
Ah ouais. Putain. Pum pum. Putain, j'ai mal aux épaules. Pum pum tata. Je pense qu'il faudra avoir encore une... quand le nouvel Animal Crossing va sortir. Il faudra vraiment que je m'achète une carte de capture pour pouvoir le streamer. Ce serait pas mal. Bon, de toute façon, il est pas prêt de sortir. Enfin, je sais pas si c'est prévu pour Noël ou pour l'année prochaine, je sais plus. Point. Point, 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 point. Point, point. Bon, ça avance vite. Fourbes, ils mettent pas, hein. Il faut laisser des écarts en fait entre les pièces pour éviter genre qu'elles se bloquent. C'est des petits cons, hein. Genre là faut laisser, tu laisses un peu de jeu comme ça, enfin, comme ça il reste bien en place, sinon ça bloque. Là ça marche, c'est stylé. Bref, il faut... qu'est-ce qu'il faut? Ah, il faut un verre, comment ça va être du verre? Je vais mettre la deuxième pièce verte que je vais mettre. Et c'est un tout petit truc qui sert à rien. J'ai plus de pièces. Je crois que je vais devoir prendre une pièce d'une autre couleur. Non, pas une autre couleur. C'est de prendre une pièce de l'autre couleur. Et genre au moment où j'ai besoin de la pièce de l'autre couleur, genre je me rends compte en fait j'avais déjà la pièce de la bonne couleur. De toute façon il me semble que quand tu le montes genre... Bon allez, je vais continuer ma visite, merci pour ce petit moment de détente. T'inquiète pas, n'hésite pas à repasser. Ça fait toujours plaisir. Bon bah du coup c'est pas de la même couleur mais tant pis. Pum pum. Pum pum. Thank you.
Et 8. On le met dans le trou. Il faut mettre le truc là. Heureusement que le dessin était bien fait. Sinon, je l'aurais pas vu. Ouais, peut-être un truc vachement dur. Je n'ai pas sûr en fait. Alors le 12. Pas les mêmes, monsieur. C'est dur à mettre celle-là. Hop là. Nickel. Pas du tout commencer par le bon truc, mais tant pis. Allez, voilà, j'ai tapé dedans.
C'est vraiment des pièces très compliquées. Hein. Très important, faut pas que ça se touche. Ils l'ont bien précisé. Donc ça se touche pas, donc c'est beau. Pas de toute touche. Et on recommence à peu près la même chose qu'ici. Très spécial comme truc. Du coup là c'est bon. On a un truc pas mal. Mm-mm.
bien cette musique. Fuel. Putain, ça rend un truc tellement stylé. Moment délicat. Parce qu'il y en a qui se détendent et il y en a qui galèrent. Voilà. Je pouvais le faire tourner, il me semblait. C'est trop bien. On s'en sert à rien. C'est trop bien quand même. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Aïe aïe, je ne retrouve plus le celui-là de 6, c'est la merde. Je peux empiler la pièce que j'avais totalement oubliée avec celle-là. Et ça fait une grosse pièce qui fait tourner des trucs. C'est trop bien. Et je peux raccrocher en dessous. Pour l'instant, c'est pas encore approché, mais ça va pas tarder. Hop. Là, il faut mettre deux grosses barres de 12 dans le cucu. Deux genres de grosses barres. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est sûrement ces grosses barres-là. Allez.
Boum. 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 J'espère que ça c'est pas pour remplacer le reste. Il y a l'air de merde. C'est vrai qu'il y a l'air d'avoir des pièces en fait qui remplacent d'autres pièces. Attends, pas sur le jeu sérieux parce que ça se trouve j'ai pas assez de pièces. Attends, il faut ça, ça. Un, deux, trois. Ça se trouve, et ben je crois qu'il manque une pièce. Ah non, elle est là. Nice. C'est pas que j'ai eu peur, mais j'ai eu peur. Thank you.
Hop là. Ça va peut-être pas très bien marcher du coup, mais...